Je m'appelle Romane, j'ai 12 ans, j'habite à Franjuil, c'est un tout petit village en Normandie, pas très connu. Mon quotidien, c'est rien. Je rentre chez moi et je reste chez moi parce qu'il n'y a rien, simplement. Il y a une bibliothèque, il y a une école. On a juste un musée, musée de la ferronnerie. Je l'ai fait une fois, c'est bien, mais voilà quoi. J'aimerais bien aller voir la tour Eiffel aussi, l'Arc de Triomphe. Je les ai déjà vus, mais de loin, quoi. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Je fais ça toute la journée, chanter, écouter de la musique. Quand j'étais en sixième, dans le car, il y avait deux troisièmes qui me harcelaient. Ils me tiraient sur les cheveux. Une fois, ils m'ont mis des chips dans les cheveux aussi. Mais au départ, eux, c'était juste pour rire. Puis moi, ça commençait à devenir saoulant, quoi. Moi, j'ai changé de place dans le car. Je me mettais toujours à la même place et eux, ils se mettaient toujours derrière moi. J'ai changé de place et ils ne sont pas revenus derrière moi. Pour moi, être une femme libre, c'est faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, sans être jugée. Parce que moi, je suis une fille, j'aime pas le rose, j'aime pas la danse, je préfère le foot et le basket, moi. Nous aussi, on peut travailler, on n'est pas juste bonne à faire ménage et à garder les enfants.